Franchement, c'est abusé. Je suis vraiment dégoûté, comme vous avez pu le constater dans le titre et sur la miniature. Je suis ban pendant une heure du jeu Dragon Ball Legends. Yo tout le monde, ça fait une vie qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo coup de gueule cette fois-ci. C'était pas vraiment ce qui était prévu au programme. Normalement, je devais jouer en PvP pour aller tester le nouveau Gogeta Free to Play dans la Team Purple, accompagné du tag Goku Blue Vegeta Blue. Sauf que les choses en ont été autrement. J'essayais justement de faire des combats. Tu fais une victoire, deux victoires, et après, boum, tu as un crash sur le jeu. Je ne sais pas si vous aussi, en ce moment, vous avez des crashs assez récurrents en PvP avec votre téléphone, hein, mais dites-le-moi dans l'espace commentaire. Là, vraiment, ça commence à gonfler un petit peu. Alors, quand c'est pas les lags, c'est les cheaters. Quand c'est pas les cheaters, on a des crashs sur le téléphone. Vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé. Là, voilà, la communauté voulait que j'essaye de poncer un petit peu le PVP. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, je suis passé au rang 70, etc. Je me suis dit, on va essayer de voir si jamais on peut vraiment monter. Et pourquoi pas faire rang God, vu que des fois, quand on tombe contre des rang God, on arrive à les battre et tout. Je me suis dit, comme ça, je vais voir un petit peu mon niveau. Mais là, clairement, c'est bon. J'abandonne. Clairement, je vous le dis, là, le PVP, cette saison, c'est bon, c'est terminé, j'abandonne. Ça me saoule. Voilà pourquoi je ne veux pas poncer le PVP. Je joue juste avec vous, soit en vidéo ou en live. Mais même maintenant, en vidéo, ça devient compliqué. Bref, je vais au moins vous mettre une game assez intéressante. Et on se retrouvera après, une game où, justement, j'ai affronté un rang God. Et on se retrouve juste après. Wow, rang God pour cette première game. Et bah, vas-y, hein, pourquoi pas. 14 étoiles en plus, on est gâté. Bon, bah, nous, on va prendre ces trois-là. Ça risque d'être quand même assez tendax. Mais du coup, vas-y, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est là où ça va devenir intéressant d'aller se titiller avec les rang God, etc. Voir un petit peu où on en est, nous aussi, au niveau de notre niveau. Hein. Ok, allez, let's go. Alors, faut faire gaffe, faut pas se jeter. Là, je vais faire la verte pour ramener l'aspect. Comme ça, ça me permet un petit peu de tempo, voir s'il attaque ou pas. Je vois pas de point d'exclamation, donc pour l'instant, on attend. Ok, très bien. Il a rattaqué tout de suite, alors que j'aurais pu esquive, mais je pensais pas. Je pensais qu'il allait tempo. Très bien, bien joué, là. Il est chaud, hein. Franchement, il est chaud. Ok. Ok, ça cogne, hein. Ah ouais, ça cogne, hein. C'est bon, là. Ok, donc là, on va mettre le Gogeta, free to play. Ça tanque vraiment très, très bien. Ça tanque vraiment plus que bien, même, sur le Migaté 14 étoiles, quand même. Voilà, il est en train de m'arracher, les gars. Oh là 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 là. Il est en train de m'arracher. Faut vraiment que je me concentre. Ok, voilà, comme ça, il va taper. Mais c'est pas grave, de toute façon, avec le tag, on peut se soigner. Là, par contre, ça, c'est bien, ça. Allez, bim. Voilà, faut arracher, faut faire mal. Voilà, là, je récupère des PV avec le main. Dommage, il a rattaqué tout de suite avec les blasts. Il est bon, hein. Franchement, les gars, il est très, très bon en face. Ah, et puis, bon, bah, le Rising Rush. Ok. Allez, on va faire l'aspect, mais là, il a fait l'aspect, donc à mon avis, c'est mort. Parce que, petit conseil, quand vous faites un Rising Rush... Oh, en plus, il a deuxième SP, ok. Quand vous faites un Rising Rush face à Gogeta Ultra, souvent, Gogeta Ultra, il a des SP. Donc, souvent, je mets l'aspect face à lui en Rising Rush. Ça peut payer, ou ça peut, comme vous le voyez là, ne pas payer. Par contre, le gars, il est vraiment très bon. Ça va être tendax. Je pense qu'on va, commencer justement cette vidéo avec une première défaite. Mais sait-on jamais, sait-on jamais. Allez. Ok, donc là, il a l'ultime. Ok, parfait. Parfait, ça. Allez, c'est maintenant là qu'il faut arracher, là. Voilà. Ok. Il a mis le Migaté. Donc là, voilà, le main qui ramène l'aspect. Oh, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Parce que là, on fait l'aspect direct. Migaté. Pop ! One shot. Beaucoup trop fort, ce Gogeta. Je vous l'avais déjà dit quand je l'ai affronté. Il est vraiment très, très fort. Voilà, par contre, là, voilà. Alors après, attention, Migaté non maîtrisé, c'est une chips quand même. Mais on parle tout de même d'un perso free-to-play. Hein. Bon, là, à mon avis, il va prendre le kill, ok. En plus, il y a 14 étoiles. Alors, Migaté non maîtrisé, c'est une chips, mais on parle d'un Gogeta free-to-play qui, lui, n'est pas à 14 étoiles, tu vois. Je n'ai que 9 étoiles. À 14, ça risque d'être vraiment un monstre. Bon, là, par contre, là, 1v2. Faut pas se rater. Hich ! Ok, c'est maintenant que tout va se jouer.
C'est maintenant que tout va se jouer, les gars. Ok, allez. Encore. 1v1, allez. Let's go. Ok, l'aspect dans le vent. Parfait ça, on a fait un timing de ouf. On a fait un timing de ouf. Ça tue, ça tue, dis-moi ça tue. Ça élève ou pas? Ça élève ou pas? Ça élève pas, j'ai le seum. Donc là il attaque pas. On va refaire encore. Il rattaque pas. Ok, j'ai Rising Rush. Ok, comme ça je lui enlève sa double esquive. Oui. Oh mais non, il a la survie au chaos. Il a la survie au chaos. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, mais on fait une remontada quand même les gars. Contre un Rangod, ça fait plaisir. Allez, concentre-toi. Jahmal. Parfait ça, perfect dodge. Allez, voilà. Là, normalement, il va ramener encore une carte à Mini Blast. Boum ! On a réussi cette game. Franchement, la game était vraiment très plaisante à jouer. Pas de lag. Le mec, il jouait vraiment très bien. On a pris 466 points. 466 points, première game de la journée, première game de cette vidéo. Ça fait vraiment, vraiment plaisir, les amis. Jusque-là, tout était bon. La game était fluide, le joueur en face était bon, je suis satisfait de ma victoire, et surtout, il n'y avait pas de lag, donc j'ai pris du plaisir. Mais après, les amis, je suis tombé donc sur une game où il y avait des lags, elle était exécrable. J'explique dans la vidéo, bon bah voilà, ça arrive, là, 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 le mec il lag, etc. Et ensuite, une game qui a crash. Clairement, le jeu s'est figé, et ensuite ça revient au menu d'accueil de mon téléphone. Tu perds des points, tu dis « Ah ouais, mais non, et tout ». Dans la vidéo, tu pètes un peu les plombs, tu dis « C'est pas grave, on va relancer ». Je continue à regagner des games. Ensuite, des lags. Tu dis « Non, mais c'est quoi ça ?» Donc tu gagnes, tu perds, etc. Et ensuite, encore à nouveau, un deuxième crash. Alors que j'étais en train de win, d'accord? J'avais mes trois persos, le mec, il lui restait plus qu'un perso, tout ça. Le jeu, il crash. Deuxième fois. Là, je dis non, là, c'est trop. Je ne savais pas à quoi allait ressembler la vidéo. Je continue. Je regagne des matchs. Et ensuite, là, le troisième crash. Ça y est, c'est bon. Ça m'a saoulé. Je vous laisse juger par vous-même. Le Jimmy Gaté du Gogeta Ultra en face. Nous, on prend les trois mêmes et on recommence en espérant que tout se passe bien cette fois-ci. Parce que là, la game d'avant, les lags. Et puis, alors, je ne parle même pas des crashs, hein, deux crashs sur le jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si vous aussi vous avez des crashs en ce moment sur le jeu, franchement c'est dégueulasse, je sais même pas à quoi va ressembler cette vidéo, il y aura des cuts les amis, hein, m'en voulez pas, un coup je gagne, je perds des points à cause des crashs, etc. C'est catastrophique. Allez, c'est bon, ça passe. Cover strike. Ok. On prend le temps. On va switcher de perso là-dessus. Parfait ça, hop. Très bien, faut faire attention à la double jauge d'esquive de Migaté. Faut essayer de se concentrer un minimum là. La verte, voilà. Maintenant. Yes, il a fait le petit dash avant. J'avais analysé un petit peu ce qu'il faisait. Donc là, c'est bien, là, on a des blasts. Comme ça, il n'y a pas de cover strike sur Gogeta s'il le met. On est tranquille. Eh ben, il le met, c'est très très bien. Comme ça, on peut faire la strike en étant safe. Voilà. Ça, c'est pas mal. Là, c'est bien joué. Là, c'est bien joué, on a fait des... Oh, j'ai entendu le pas de côté. Bim, l'aspect direct. Boum, on a fait très, très mal. Très, très mal. Là, ça fait plaisir, là. Bon, là, je devrais ramasser un peu. Mais ça va, parce que c'est le Gogeta violet. Et du coup, il est bien tanky, quand même, dans la team purple, les gars. Avec toutes les capes et Zenkai. Regardez, c'est un tank, hein. Face à Gogeta Ultra. L'aspect de Migaté. Ça tank. Ça tank, les gars. Très très fort. Deuxième spé dans le vent. Allez, mange. Ok. Bientôt le Rising Rush en plus. J'aurais pas dû faire la strike maintenant. J'aurais pas dû. Il avait plus de jauge d'esquive en plus. Et ouais, Rising Rush, donc forcément là-dessus. Non. Non. Les frères. Troisième crash de la vidéo. Mais non. Mais la vérité, là, c'est trop. La vérité, c'est trop. Franchement, c'est chaotique. C'est vraiment chaotique. Donc voilà, le dernier combat classé ne s'est pas fermé correctement. Bah voyons, c'est de ma faute peut-être que le jeu, il crache.
Allez. Oh non. Bon bah là, voilà, c'est bon. Bon bah je suis ban. Je suis ban 1 heure. La vidéo, c'est fini. Je peux même plus continuer. Je vais pas. Voilà. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Tu fais rien, tu mets de l'argent dans le jeu. Pouh, franchement, c'est honteux. Alors je sais ce que certains d'entre vous vont dire, ça ne sert à rien de s'énerver pour un simple jeu vidéo. Et vous avez entièrement raison. Là en fait, j'étais surtout énervé, voire frustré, parce que j'ai perdu mon temps. J'aurais pu utiliser ce temps pour faire autre chose. Et là, voilà, j'ai voulu faire du PVP, je me disais, mais la vidéo, elle va être catastrophique, elle va être dégueulasse, elle ne va pas être agréable à regarder, donc je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai perdu mon temps, et voilà. Bon, bref, en tout cas, on va aller directement sur mon compte Twitter, que voici. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous follow à mon compte Twitter, le lien est dans la description de cette vidéo, c'est @sofianeludic. J'ai réagi là-dessus, bon, là, c'est trop, je tournais une vidéo PVP, j'ai eu 3 crashs dans la vidéo, ce qui me fait perdre des points et du coup perte de temps, comme je vous le disais. Je précise que j'ai la fibre, un de ping et je joue en wifi. Et je vais même préciser que j'ai le téléphone Samsung Galaxy Z Fold 3, 12 Go de RAM, quasiment 3 GHz de processeur, carte graphique de fou. Et mais voilà, ça ne suffit pas. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à réagir. Alors, je tiens tout de même à préciser, ce soir, malheureusement les amis, il n'y aura pas de live DBL, c'est bon, aujourd'hui j'ai ma dose de DBL. Je serai en revanche en live demain à partir de 15h pour le Reveal Stuff, pour découvrir les nouveaux personnages, mais je les attends également au tournant, voir ce qu'ils vont nous pondre également comme contenu. Parce que c'est bien beau les persos, mais quand t'as les persos, quand tu mets de l'argent, ou bien même que t'es free-to-play, que t'as mis tes cristaux, et que derrière tu ne peux pas prendre du plaisir à jouer avec tes persos que tu as obtenus, quel est l'intérêt? Ouais, clairement. Quel est l'intérêt? Donc voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à réagir dans l'espace commentaire, même également réagissez voilà sur mon compte Twitter. Bon, on a quand même eu encore des petits malins qui m'ont dit en gros tu te plains pour rien, oh, ça vient de ton téléphone. Oui, ça vient de mon téléphone, un téléphone à 2000 €. Bon bref, vous verrez bien. Merci à vous en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Je suis désolé, je voulais vous faire une belle vidéo PVP. C'était pas le cas, j'en suis le premier frustré, mais bon, c'est comme ça. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!